Salut à tous, c'est Fanjo, j'espère que vous allez tous très bien les gars, et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Et ce soir, une très courte vidéo, mais en tout cas pour vous annoncer une bonne nouvelle, et simplement confirmer que l'on aura bien le Terrorbyte, mais aussi la Oppressor MK2, et également le dernier DJ, mais ça bien évidemment, on n'en doutait pas, mais tout simplement également pour vous dire que l'on aura tout ça mardi prochain, donc ce mardi 14 août. Voilà, et je ne vais pas de nouveau vous représenter ces véhicules, vous pouvez les découvrir très rapidement sur le gameplay que je vous propose. Je précise également que le camion que vous avez en arrière-plan n'est pas le Terrorbyte, c'est simplement un camion que je vous présente comme ça en fond de gameplay, puisque comme la vidéo est très courte, je me suis dit quand même que je voulais vous présenter quelque chose d'assez sympa. Mais donc vous pouvez bien remarquer les différentes images que je vous avais déjà présentées dans des vidéos précédentes. Le Terrorbyte coûtera de base 1 375 000 $. Et complètement customisé, ça devrait tourner aux alentours des 3 500 000 $. Maintenant, comme vous l'avez vu et comme vous le savez déjà certainement, on aura la possibilité d'avoir des différents drones, mais on sait également que l'un de ces drones sera armé et aura la fonction paralysante, donc pourra lancer des décharges électriques sur les différents personnages. Et donc vous découvrez également la Oppressor MK2 que je vous avais déjà présentée, et son prix sera de 2 925 000 si vous faites la mission. Par contre, si vous ne la faites pas, son prix sera de 3 890 000. Qui sera donc son prix le plus élevé. Et juste pour terminer, là vous verrez que l'on aura le quatrième DJ qui en fait est une fan, donc The Black Madonna, et comme vous le savez, qui nous coûtera 100 000 $ pour qu'elle vienne mixer dans votre boîte. Et donc comme vous le savez, il y aura une petite mission à faire, aller la chercher à l'aéroport, etc. Et donc il y aura également quelques petites nouvelles missions. Et donc voilà les gars, pour les gens qui étaient vraiment impatients d'avoir le Terrorbyte, et je sais qu'il y en a beaucoup, et également l'Oppressor MK2, et bien voilà, plus que quelques jours à attendre, et donc c'est bien ce mardi que nous les aurons. Et bien voilà les gars, pour cette petite et courte vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser le petit pouce en l'air qui, comme vous le savez, me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à activer la petite cloche si vous voulez être averti de la sortie des futures infos et de mes futures vidéos. C'était Fanjo qui vous dit encore, portez-vous bien les gars, vous savez très bien que c'est le principal, et à très bientôt. Ciao à tous. Bow to the king. Bow to the king.